histoires servent d'exemple à tous ceux qui seraient tentés de jouer avec des forces qui les dépassent. Racontez-la à qui veut bien l'entendre, car ce qui m'est arrivé ne devrait plus jamais arriver à quelqu'un d'autre. Tout a commencé il y a un an, lorsqu'un après-midi, pendant un dîner chez ma famille, j'ai ressenti une forte douleur au niveau du ventre. Je me plaignais depuis quelque temps de douleur à cet endroit, mais c'était la première fois qu'elle était aussi intense. Mon frère m'a donc amené aux urgences. Après quelques analyses et quelques jours d'hospitalisation, le verdict est tombé. J'étais atteint d'un cancer de l'estomac. Celui-ci a été découvert bien trop tard. Les chances de guérison existaient, mais elles étaient très faibles. Ça a été un choc terrible pour moi. J'étais jeune, j'avais plein de projets pour l'avenir. J'en ai fait une dépression. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant plusieurs semaines, m'apitoyant sur mon sort. J'avais commencé une chimiothérapie, sans trop d'espoir. Mais rien ne fonctionnait. Mon état ne cessait de se dégrader. Il fallait bien l'accepter. J'allais mourir. Il fallait que je mette de l'ordre dans ma vie, que je fasse mes adieux à ma famille, à mes amis. Pourtant, sur le chemin de l'hôpital, il y avait une boutique qui avait ouvert depuis peu et qui m'intriguait. C'était une sorte de magasin de vieux objets, un antiquaire. Sur la devanture du magasin, on pouvait y voir un panneau. D'habitude, je ne crois pas à ces choses-là. Si ça marchait, ça se saurait, et il y aurait la foule dans le magasin. Mais je pouvais voir à travers la vitre que c'était vide à l'intérieur. Maudit soit ma curiosité, car je suis rentré. Le magasin était plein de vieux meubles et d'objets poussiéreux, quelques babioles en métal, et beaucoup de grimoires sur une étagère derrière le comptoir. Derrière ce même comptoir, un homme me fixait. Il devait avoir une soixantaine d'années. Il était vêtu d'une vieille chemise blanche et d'un pantalon à bretelles. Cela lui donnait un style d'avant-guerre. Puisque j'étais rentré, autant lui demander des informations à propos de ses guérisons, comme était inscrit sur le magasin. C'était plus par curiosité que par intérêt, cela dit. Avant que je puisse ouvrir la bouche, celui-ci m'a devancé en disant qu'il avait ce qu'il faut pour traiter n'importe quelle maladie. Et même les cancers. J'étais perplexe. Était-ce une simple déduction de sa part? Ou savait-il vraiment pour ma maladie? Voyant mon air surpris, il m'a souri et s'est retourné pour attraper un grimoire poussiéreux sur l'étagère. Il l'a posé sur le comptoir, avant de souffler dessus, révélant un large pentagramme sur la couverture. Il m'a dit qu'à l'intérieur se trouvait le rituel qui me ferait guérir à 100%. Et, vu que j'étais mourant, il acceptait de me le prêter gracieusement. Il me suffisait de le rapporter une fois guéri. J'ai accepté. Après tout, un livre n'a jamais fait de mal à personne. Je suis donc rentré chez moi, impatient de lire ce fameux rituel. Je me suis installé dans le salon, et j'ai ouvert le vieux grimoire. Il y avait de tout. Comment rendre une femme folle de vous? Comment jeter le mauvais œil sur quelqu'un? Comment devenir riche? Et ce qui m'intéressait, comment guérir n'importe quelle maladie. Au point où j'en étais, autant tenter ma chance. Ça ne mange pas de pain, je me disais alors. Le rituel n'était pas compliqué en lui-même. C'était plus la recherche d'ingrédients qui était difficile. Un morceau d'écorce d'érable centenaire, une patte de lapin, des poils de chat noir, entre autres. Pour les poils de chat noir, j'en avais justement chez moi. Ce foutu chat allait enfin me servir à quelque chose. En quelques jours, j'avais réuni tous les ingrédients, et j'ai pu accomplir le rituel. Il ne me fallait plus qu'attendre. Même si tout cela était fou, c'était ma dernière chance. Alors je me forçais de plus en plus à y croire. C'était ça ou la mort. Le lendemain, je me suis levé, comme d'habitude. Mais quelque chose avait disparu. La douleur. Mon ventre ne me faisait plus souffrir. Mon énergie était revenue. Je n'en croyais pas à mes yeux. J'ai foncé à l'hôpital pour faire des analyses. Même les médecins étaient perplexes. Les tumeurs n'étaient plus là. Et même mon diabète s'était envolé. Un vrai miracle.
Les docteurs m'ont demandé de faire plus d'examens pour qu'ils puissent voir ce qui m'avait guéri aussi vite, mais j'ai refusé. Je ferai leur examen plus tard, car je voulais profiter de la nouvelle chance qui m'avait été donnée de suite. Je voulais savourer chaque instant sans la maladie. Pendant les jours qui ont suivi, j'avais enfin repris goût à la vie. J'étais sorti m'amuser avec mes amis. J'avais annoncé la bonne nouvelle à ma famille. J'avais même récupéré l'appétit. Avec un cancer à l'estomac, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez sous peine de vomissement. Et la douleur vous empêche de vous nourrir la plupart du temps. Mais là, je mangeais comme un ogre. J'avais fait en une semaine tous les fast-foods de la ville, et à chaque fois le plus grand menu. Même mes amis restaient bouche bée devant mon appétit féroce. Et c'est là que ça a commencé à devenir inquiétant. Même les menus XXL des restaurants ne me contentaient plus. Après avoir avalé 5 Big Mac, j'avais toujours autant faim. J'étais devenu un gouffre sans fond. Plus aucun ami ne m'invitait au restaurant, sous peine de me voir engloutir un dixième de son salaire en nourriture. Quand j'allais faire les courses, je prenais des dizaines de kilos de viande rouge. Ce n'était plus vivable, et je commençais à manquer de moyens. Je suis retourné faire des examens à l'hôpital, mais aucun médecin n'a pu trouver quel était mon mal. Ils étaient aussi surpris que moi par mon appétit d'ogre. Surtout que je ne grossissais pas d'un gramme. J'ai fini par vendre ma voiture pour me payer ma nourriture. J'engloutissais toujours plus de viande chaque jour. Certaines fois, je ne prenais même plus la peine de la cuisiner. Je la mangeais crue, à pleines dents. Ce que j'étais devenu me dégoûtait. J'ai fini par comprendre que c'était la cause du rituel que tout cela arrivait. Il avait certes guéri mon cancer, mais c'était sûrement un effet secondaire. Le grimoire n'indiquait rien sur le sujet. Seuls les rituels étaient indiqués. Je suis retourné au magasin, c'est très cliché, mais il n'était plus là. À la place se trouvait un floriste. Je suis rentré à l'intérieur pour lui demander ce qu'était devenu l'antiquaire. Mais elle m'a répondu qu'il n'y avait jamais eu d'antiquaire ici. Elle avait racheté le local qui était vide depuis des mois. Je faisais mes recherches sur internet aussi. Mais je n'étais pas vraiment doué avec les ordinateurs. Je n'avais rien trouvé. J'en avais parlé à mon frère, qui, lui, s'y connaît, pour faire des recherches. Je lui ai parlé du rituel, du magasin, de la guérison spontanée. Je lui ai demandé de trouver un moyen comment stopper cette faim insatiable. Après avoir épuisé toutes mes ressources financières, je n'avais plus que quelques jours de nourriture dans le frigo. C'était tout ce qui me restait. Alors j'ai essayé de me restreindre, d'arrêter de manger et de faire durer ces provisions. Mais je n'aurais jamais dû faire ça. Je faisais des crises de rage terribles. Mon ventre gargouillait comme jamais. Il fallait que je mange. Et c'est là que j'ai dépassé les limites. Mon chat, qui n'avait plus de nourriture depuis la veille, n'arrêtait pas de miauler. Quand j'ai posé les yeux sur lui, l'eau m'est montée à la bouche. Je me suis approché, l'ai pris dans mes bras, lui ai fait un dernier câlin, avant de lui tordre le cou d'un mouvement sec. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré sans remords. J'éprouvais même du plaisir pendant que je déchirais sa chair et buvais son sang. J'avais franchi un palier dangereux. J'ai jeté sa carcasse au loin et me suis effondré sur mon lit, repensant à mes actes. Il me fallait de l'aide, en vitesse. Je devenais un monstre répugnant. Je voulais appeler ma famille à l'aide, appeler mon médecin, mais quelque chose m'en a dissuadé. En regardant par ma fenêtre, je pouvais apercevoir le parc. Et en regardant les gens passer, surtout les enfants, je salivais. Et ça me terrifiait. Je savais que si quelqu'un venait chez moi, je n'allais pas résister à la tentation d'en faire un festin. La faim me faisait devenir fou. Plus d'une fois, j'étais tenté de sortir la nuit et d'enlever un passant pour pouvoir goûter sa chair si tendre. Plus d'une fois, j'étais tenté d'attendre que le fils du voisin rentre de l'école pour l'attirer chez moi et boire son sang. Je ne voulais pas devenir un meurtrier. Alors, il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. J'ai brûlé le grimoire tout à l'heure. Et j'ai accroché une corde au plafond. Ceci est mon testament. Méfiez-vous des solutions miracles que vous proposent les inconnus. Et dites à ma famille et mes amis que je les aimais, mais que je n'avais pas le choix. Ah.